Bonjour, je m'appelle Violette Pouliquin, j'ai 19 ans, je suis étudiante en Bachelor Management International de la pâtisserie. Je sors d'un bac général type S, donc spécialité maths et SVT, et je suis arrivée directement de ce bac pour l'Institut. L'Institut, parce que c'est une école qui a une très grande renommée, qui m'a toujours fait rêver, donc ça a été toujours un grand rêve. La pâtisserie, ça a toujours été une passion pour moi depuis que je suis toute petite. Et c'est une école dont j'ai toujours rêvé, donc pour moi c'était vraiment l'école parfaite où vraiment je voulais aller. Stressée, hein, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on arrive, on débarque. Moi j'avais pas fait les portes ouvertes, je savais pas où est-ce que j'allais atterrir. Et puis finalement on est très bien accueillis, on est accueillis par beaucoup de gens. Puis il y a du monde avec nous, on n'est pas tout seul. Et la journée et même les premiers jours, il se passe super bien. Il y a vraiment du monde tout le temps. Si on a des questions, il y a des gens, il n'y a aucun souci. Et puis on est, comme je disais, on est hyper bien accueillis. On a une semaine d'intégration, donc il n'y a pas de stress à avoir finalement. Je pense qu'ici, on a beaucoup de pratiques. C'est une école qui met en place, surtout en première année, on a beaucoup de cours de pratique et c'est super parce que c'est vraiment du concret, quoi. On sait vraiment où est-ce qu'on va. Moi, je me levais le matin, je me disais, ok, je suis contente d'être là, vraiment, je suis heureuse d'y aller. Ça va être une bonne journée, je vais pratiquer ma passion, je vais faire quelque chose qui va me servir plus tard. Enfin, je sais pourquoi je suis là, quoi. Pour l'instant, je dirais que c'est les fins de semaine en pratique parce qu'on a sur certaines semaines, notamment la viennoiserie et les classiques de la pâtisserie, en fin de semaine, on avait des grands buffets. Donc toute la semaine, on préparait plein de desserts qu'on montait juste le vendredi et on faisait un grand buffet avec tous nos desserts. Et en fait, c'est super satisfaisant de voir tout notre travail vraiment mis joliment sur un buffet et tout ça. Et puis en plus de ça, on a les chefs qui viennent nous voir. Et on est fiers en fait du travail qu'on fait. Et je trouve que c'est des bons moments parce que c'est des moments avec toute l'équipe avec qui on est, des moments avec notre chef. Et puis il y a ce moment un peu privilégié où on va présenter aux chefs qui viennent tout ce qu'on a fait. Donc c'est vraiment, on est fiers de notre travail, quoi. J'ai des idées. Alors rien de sûr. Mon idée principale, c'est de monter un traiteur. Je veux devenir traiteur pâtissier, sûrement en collaboration avec un cuisinier, puisque ça ne marche pas tout seul un traiteur pâtissier de toute façon. Et après, partir à l'étranger. C'est l'un de mes grands projets. C'est vraiment monter quelque chose à l'étranger parce que je sais que la gastronomie française, ça cartonne là-bas. Je dirais le soutien. C'est une école qui est d'un grand soutien, que ce soit pour trouver son stage, que ce soit moral, que ce soit physique. Enfin, on est soutenu de tous les côtés, par tout le monde. Un deuxième, ouvert. C'est une école très ouverte, ouverte sur le monde, qui nous ouvre beaucoup de portes. Et on s'en rendra compte, je pense, plus tard. Aujourd'hui, on est encore trop petit, je pense, et trop dedans pour s'en rendre compte. Mais je pense que c'est une école qui va vraiment nous ouvrir partout. Et beaucoup de portes surtout. Et un dernier, je dirais un projet, parce que c'est une école qui est pleine de projets. C'est une école qui nous soutient dans tous nos projets et surtout qui va nous permettre de réaliser nos projets futurs. Et je pense que c'est grâce à cette école qu'on va pouvoir chacun monter vraiment ce qu'il a envie de monter.